Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome d'Enghien ce jeudi 10 août. Bien entendu en compagnie des trotteurs, une semi-nocturne qui nous attend avec la quatrième course, le prix Place d'Enfer Rochereau qui sera support de Quintet. Bien entendu c'est prévu à 18h, un Quintet qui vient un petit peu en remplacement du prix de la Concorde, une très belle épreuve. Malheureusement, ils ne sont que 12. En tout cas, on a affaire à une course européenne pour des concurrents. Je ne suis pas sûr que ce soit européenne. Non, c'est pas européenne. C'est une autre course qui est européenne, pardon. Une course qu'avec des Français, tout simplement, avec des 5 ans, n'ayant pas gagné 141 000 euros. Une épreuve assez intéressante. 15 concurrents au départ. 2875 mètres à parcourir dans cette compétition qui est au final assez ouverte. Même si on a quelques points d'appui solides pour la victoire, à mon avis, ça va se jouer au parcours. J'ai quand même retenu en tête de ma section le numéro 10, Idyl Express, qui est en grande forme actuellement, qui réalise un sans faute depuis le début de l'année. 5 courses, 3 victoires, 2 deuxième places. Elle reste d'ailleurs sur une deuxième place sur cette piste. C'était, je crois, sur plus court. Quoi qu'il en soit, c'est une jument de qualité. Ouais, voilà, c'était sur 2150 mètres. D'ailleurs, elle reste sur deux courses sur 2150 mètres sur cette piste. Elle courait bien à chaque fois. Alors, elle a besoin d'un parcours caché. Maintenant, elle est en forme. Elle affronte les mâles aussi. Ça aussi, il faut le noter. D'habitude, elle court que contre les juments. Donc, voilà, ça change également un petit peu la donne. Même si elle a déjà rivalisé avec des mâles de sa génération. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais le truc, c'est qu'il faudra un bon parcours. Et avec Eric Raffin, je pense qu'elle est capable de l'avoir et qu'elle est même capable de s'imposer. C'est pour ça que je l'ai retenue en tête. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 2, Indy de Gire. Alors j'ai tenté quelque chose avec ce Indy de Gire. C'est un cheval qui est en grande forme actuellement. J'ai regardé sa dernière course, c'était en province. Il s'est imposé vraiment très plaisamment. C'est un cheval qu'on connaissait surtout au trot monté dans sa jeunesse et qui a gagné en maniabilité à l'attelage. Et c'est vrai que le fait d'être passé par le trot monté, ça lui a donné de la dureté également. Et j'aime beaucoup son profil. C'est l'un des moins riches, mais honnêtement, vu le style de son récent succès, je ne serais pas étonné qu'il puisse monter de catégorie avec succès dans cette épreuve. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 4, Infiniment Citron, en grande forme. Il vient de s'imposer, je crois que c'était du côté de Langon. Je ne sais pas si on a beaucoup de courses références dans cette épreuve. En tout cas, on n'a pas cette course de Infiniment Citron. Non, on n'a que sa deuxième place à Saint-Brieuc. Quoi qu'il en soit, il gagnait vraiment après lutte, de belle manière. Et juste pour me rassurer, juste regarder cette sortie en tout cas. C'était à Langon, c'est ça, face à Indigo Jewelry, un cheval dur à l'effort. Et quoi qu'il en soit, c'est un cheval qui court rapproché à une semaine seulement. Mais c'est un cheval qui a de la qualité. Son entraîneur est confiant. Alexandre Abrivard s'entend bien avec lui. Même s'il y a de l'opposition et qu'il court de manière rapprochée, comme j'ai dit, je le pense capable de confirmer et de lutter pour les premières places également. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 11, Irish Nice LG. On le connaît bien, Irish Nice LG. C'est un concurrent qui est vraiment performant lorsqu'il est déféré des quatre pieds. C'est un cheval qui me plaît tout particulièrement et qui vraiment a de bons moyens. Regardez cette victoire le 8 juillet. Il battait Ipalio et Ikem sur cette piste d'Enghien. Donc voilà, un cheval qui apprécie cette piste, qui est dans sa catégorie. Ce sera Franck Ouvry cette fois-ci qui lui sera associé. C'est vrai que la dernière fois, c'était Alexandre Abrivard. On a déjà vu également Johan Le Bourgeois, je crois, le driver. Voilà. En tout cas, Alexandre Abrivard qui est pris avec Infiniment Citron. Du coup, c'était logique que je retienne Infiniment Citron devant Irish Nice LG. Toujours est-il que c'est un cheval de qualité. Et s'il a le bon parcours, il est lui aussi capable de lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 6, Ibrahim Eloi. Il a été castré cet hiver. C'est un cheval qui était vraiment compliqué, qui faisait souvent la faute. Lui, il vient de courir avec Indy de Gire dans une des courses références. On ne l'a pas parce que c'est une course qui est en province, mais en tout cas, il courait de belle manière. J'ai revu cette course. C'était sur l'herbe, je crois, de la Roche Posée, si je ne me trompe pas. En tout cas, le cheval courait très très bien. Il finissait de belle manière. Là, son entraîneur est assez confiant. Je pense que pour son retour en région parisienne, il est capable d'afficher encore des progrès. C'était seulement sa deuxième course après une longue absence. Et je m'en méfie. Je trouve que vraiment, c'est un outsider qui est très séduisant au départ de cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 15, Ilaya. Ilaya, elle fait toutes ses courses, vous le voyez depuis le début de l'année. Elle est dans sa catégorie, elle découvre un engagement favorable, elle est déférée des 4 pieds, elle est confiée à Johan Le Bourgeois qui la connaît parfaitement. Sa dernière course m'a laissé légèrement sur ma fin. C'est vrai qu'elle n'est que 5ème, elle est battue par Ipalio notamment, mais bon, c'était pas si mal que ça. Et puis vu la qualité de l'engagement, je pense qu'il faut s'en méfier. Je ne sais pas quelle tactique va adopter Johan Le Bourgeois, mais en tout cas elle peut tout faire durant le parcours, et c'est vrai que c'est une concurrente qui devrait logiquement terminer dans les 5 premiers.
Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le numéro 12, Hypalio. Un Hypalio qui fait toutes ses courses, qui connaît parfaitement ce parcours. Vous voyez, c'est un modèle de régularité. Il vient de devancer Ilaya. Je pense qu'il n'y aura pas cher au passage du poteau. C'est vrai que Pierre-Yves Verva va le découvrir, mais c'est un cheval qui est maniable, qui fait toutes ses courses, qui a besoin d'un parcours caché. Il est meilleur comme ça. Si c'est le cas, il est capable de prendre une 4-5e place, un petit peu comme plusieurs concurrents dans cette épreuve. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 3, Ikem. Ikem aussi, il vient de courir la course référence. Hein. Une course référence qu'on n'a pas. Hein. C'est Indy De Gier qui s'imposait devant Ibrahim Eloi. J'ai vraiment beaucoup aimé sa fin de course. Il a été décalé très tardivement, mais dans les 100 derniers mètres, il a bien accéléré. C'est un cheval qui revient bien. Il est confié à Mathieu Abrivard. J'aime bien son profil également. Je vous l'ai dit, il y a pas mal de concurrents qui sont capables de brouiller les cartes dans cette compétition. Et je pense que ce numéro 3, Ikem, en fait partie. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu l'As Ideal Dancer. Une nouvelle fois, un concurrent qui a couru la course où Ikem, Andy De Gier et Ibrahim Eloi étaient au départ. Il reste sur une 5e place. C'est un cheval qui est régulier, un pensionnaire de Sébastien Carato qui n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre. C'est pour ça que ce sera juste un regret, mais il est déféré des 4 pieds. Ça peut peut-être suffire en longeant le rail pour accrocher un lot. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 10, Idyl Express, que j'ai retenu en tête devant le numéro 2, Andy De Gier. Le 4, Infiniment Citron. Le 11, Irish Nice LG. Ensuite, en 5e position, le numéro 6, Ibrahim Eloi, devant le numéro 15, Ilaya. Ensuite, j'ai retenu le numéro 12, Hypalio, en 7e position, devant le numéro 3, Ikem. Et en cas de non partant, l'As Ideal Dancer. Ce qui nous donne en chiffre le 10, le 2, le 4, le 11, le 6, le 15, le 12 et le numéro 3. Et en cas de non partant, l'As Ideal Dancer. En conseil de jeu, pour moi, le numéro 10, Idyl Express, c'est la très bonne base. Face au mal, il faudra que ça se passe bien, mais en théorie, elle doit lutter pour les premières places. Le 2, Indy De Gier, c'est mon petit outsider. Je sais pas combien il y aura peut-être 10 contre 1, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Je ne saurais vous dire parce que la course est très ouverte, mais c'est vraiment un concurrent qui possède beaucoup de dureté, qui me semble en mesure de monter de catégorie. Et le 4, Infiniment Citron, il court rapproché, mais un petit peu comme Idyl Express, il est en très grande forme, il aligne les bonnes sorties. Pour moi, c'est également une très bonne base au départ de cette épreuve. Donc 10, 2 et 4, mes 3 préférés. On va faire un petit tour du côté du prix de Bayeux. Hein. Deuxième épreuve du handicap qui servait de quintet dimanche, hein, le grand handicap de Deauville. Alkamsin qui surprend et qui s'impose devant le numéro 12, Galante Did, également une petite surprise. Le 4, Bulaïs, l'un des favoris qui termine 3e devant le 7, Gaylor Seniora, et le 8, Chance, qui complète l'arrivée de ce quintet qui n'était pas forcément facile à dénicher. Quoi qu'il en soit, quelques trios très rémunérateurs de la part de nos deux rubriques, hein, notamment un de chaque côté, hein, 1500 et puis 1180€ du côté de Turf Sélection. Très belle journée mine de rien, malgré l'absence de quintet. Et voilà, vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve vendredi. Ce sera certainement du côté de Cabourg, toujours en compagnie des trotteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.